Bonjour, je m'appelle Rit Marua. J'ai commencé à apprendre le français à l'université David-Zaimé et j'étais une étudiante Erasmus en France. Actuellement, ça fait maintenant un an que j'enseigne le français dans un petit collège à T6. Le français, comme pour la majorité des Lettons, ça m'a plu. Bien évidemment, tous les clichés, c'est une belle langue, ça sonne bien, c'est romantique, c'est joli. Donc, comme pour tous les Lettons. Je considère toujours que la langue française n'est pas du tout difficile. Ce qui est difficile, c'est rompre le cliché que c'est difficile. Parce que j'en ai eu des élèves qui arrivent dans mes cours et qui disent, après le premier cours passé avec moi, ils disent, les parents, ils ont dit que ce serait super difficile, mais ce n'est pas autant difficile que ça. Comme la devise de la République de la France, elle dit « liberté, égalité, fraternité ». Donc moi, je considère que les élèves dans les régions de la Lettonie, également, comme les élèves à Riga, ils ont mérité. On doit donner à eux également la chance d'apprendre le français. Le français, ma formation en cuisine, ça me permet de les accrocher tout de suite avec la cuisine française. Ça, j'avais fait beaucoup l'année dernière. Et le deuxième outil, c'est que j'utilise le plus, c'est le jeu. Donc chaque fois quand il y a une nouvelle thématique, soit c'est le vocabulaire, soit c'est la grammaire, d'abord je présente la théorie, on apprend la théorie et tout de suite on applique. Tout de suite il faut cette théorie, cette nouvelle connaissance par les moyens de jeu, les faire vivre, qu'ils en utilisent. Et ça, ils adorent.